La Vénérable Jeanne Mance est intronisée à titre posthume cette année. This French nurse and settler of New France established its first hospital, the Hôtel Dieu de Montréal, in 1645. Je dirais que tout d'abord, Jeanne Mance, évidemment, elle est connue pour être la fondatrice de l'Hôtel Dieu de Montréal, mais elle est aussi la fondatrice de Montréal. Alors ça, c'est une particularité, car c'était une femme administratrice, c'était une femme de grand talent, une avant-garde, avant-gardiste, visionnaire. Jérôme Loyer, il était aussi un homme qui avait eu un appel spécial, hein? De fonder, d'abord, il avait fondé la communauté des hospitalières de Saint-Joseph à La Flèche pour soigner les malades en 1636. Et toujours dans son idée, il voyait un peu ces religieuses-là venir un jour soigner des malades en Nouvelle-France. Monsieur Le Royer voit que dans une entreprise aussi importante que la Fondation de Montréal, ce serait nécessaire d'avoir une femme. Alors, il demande à Jeanne Mance, et ça, je trouve ça savoureux, il demande à Jeanne Mance, « Mademoiselle, est-ce que vous accepteriez de vous occuper des choses du dedans? » Jeanne Mance est une personne avant-gardiste, moderne pour son temps. Elle n'est pas une rebelle, mais elle est hors norme pour l'époque. À 34 ans, elle sait qu'elle ne veut pas être religieuse ni se marier. Elle préfère rester célibataire pour garder sa liberté et son indépendance de pensée et d'action. Elle prend une grave décision. Elle sera à Paris et elle va y passer près d'un an pour se préparer à d'abord découvrir si elle est appelée à cette mission-là. Elle va rencontrer des personnages très importants. Elle va rencontrer la reine Anne d'Autriche. Elle va rencontrer, entre autres, Madame Angélique de Bullion, qui va être sa bienfaitrice. C'est elle qui va fournir les fonds. Et je pourrais dire que Mme de Bullion a le mérite d'avoir présenté à Jeanne Mance un peu le mode de sa mission. Parce qu'elle va demander à Jeanne Mance, quand elle découvre que cette femme-là est vraiment une femme forte, elle lui demande, « Mademoiselle, là où vous allez, est-ce que vous fonderiez un hôpital à mon nom? » Et c'est là qu'elle va vraiment, là, l'événement va la guider vers le départ vers la Nouvelle-France. Lorsque Jeanne Mance vient pour fonder l'Hôtel Dieu, elle vient pour soigner les Amérindiens. On la voit très bien représentée ici, en haut à gauche, où elle accueille un enfant qui est tout à côté d'une religieuse hospitalière. Alors, ça nous montre un peu ici déjà cette attention qu'elle a à la fois pour l'enfant, pour le papa qui n'est pas très loin, pour l'Amérindien qui semble vraiment en difficulté. L'Hôtel Dieu de Montréal a été au service des malades pendant 375 ans, c'est-à-dire de 1642 à 2017. Alors, vous imaginez les générations de médecins, d'infirmières, de préposés, de spécialistes et de bénévoles qui ont œuvré à l'Hôtel Dieu de Montréal. Je me sens rassurée parce que je sais que Jeanne Mance est là. Car Jeanne Mance, en fait, est inhumée dans la crypte qui est sous la chapelle de l'Hôtel Dieu. Fait que les gens qui venaient se faire soigner là se sentaient... Donc, c'est vous dire à quel point, je ne sais pas par quel moyen, cet esprit est resté très vivant dans l'esprit de beaucoup de monde ici. Elle a traversé 7 fois l'océan de France à Québec, de Québec à la France, 7 fois, toujours pour aider l'Hôtel Dieu. Donc, femme courageuse et très énergique. En 1973, le gouvernement canadien émit un timbre à l'effigie de Jeanne Mance pour souligner le 300e anniversaire de sa mort. Plus tard, en 2012, la Ville de Montréal l'a nommée cofondatrice, surtout pour son rôle joué lors de la venue de 1653 des
du deuxième groupe de colons que les historiens ont nommé la deuxième fondation de Montréal. Et de retourner en France à quelques reprises, aller chercher les premières religieuses, dont la première pharmacienne, aller revoir Madame de Bullion pour discuter avec elle de l'argent qu'elle avait utilisé pour faire venir des colons. Elle a tout fait ces choses-là en il y a presque 400 ans. C'est pas banal. Alors, je lui voue un grand respect. Lauréate du Temple de la renommée médicale canadienne, la vénérable Jeanne Mance. Alors, comme quelle belle et puissante présentation. Jeanne Mance, nous t'aimons beaucoup. Et félicitations. Tu mérites de recevoir cette grande et précieuse distinction. Mon nom est Nicole Godette, religieuse hospitalière de Saint-Joseph. C'est un grand honneur pour moi que de recevoir la médaille du Temple de la renommée médicale canadienne au nom de Jeanne Mance. Je fais partie de la congrégation des religieuses que Jeanne Mance est allée chercher en France pour poursuivre sa mission et administrer l'hôpital qu'elle a fondé. Sœur Marie-Thérèse La Liberté, supérieure générale, m'a désignée pour représenter toutes les hospitalières et recevoir cette distinction, étant la dernière hospitalière travaillant comme infirmière à l'Hôtel-Dieu de Montréal. Poursuivre l'œuvre de Jeanne Mance, c'est une grande responsabilité. En fondant et en dirigeant hôpitaux, écoles d'infirmières, au Canada et dans le monde, nous avons voulu faire rayonner le grand héritage matériel et spirituel de Jeanne Mance. Comme vous avez vu dans la vidéo, dès son arrivée au Canada, Jeanne consacre tout son être au service de son hôpital et de Ville-Marie, qui est devenue Montréal. Femme de vision, de décision et d'action. Jeanne est aussi animée d'une foi et d'une vie spirituelle intense. Sa charité, empreinte de tendresse et de compassion, domine et teinte toutes ses paroles et tous ses gestes. Jeanne Mance établit ainsi des bases solides qui guideront les soins infirmiers à Ville-Marie et au Canada. Les valeurs encore importantes et essentielles aujourd'hui partout dans le monde. Des valeurs auxquelles infirmières, médecins, gestionnaires et tous les travailleurs de la santé peuvent s'identifier. On dit de Jeanne Mance qu'elle était l'âme et l'ange de la colonie. Âme courageuse, audacieuse, héroïque, qui a donné vie à un hôpital et à une ville. L'ange qui protège, qui guide, qui soutient, disponible à tous. Une âme qui reconnaît la présence de Dieu à travers tous les événements de sa vie. Un ange qui accompagne comme elle l'a fait au temps de la colonie, comme elle peut le faire encore durant ce temps terrible de la pandémie. Merci au comité du Temple de la renommée médicale pour ce grand honneur rendu à Jeanne Mance, en reconnaissant le rôle majeur qu'elle a joué dans le domaine de la santé canadienne et qu'elle joue encore aujourd'hui.
Un merci particulier à Mme Monique Lanouette-Bocage ainsi qu'à Mme Annabelle Loyola d'avoir posé la candidature au Temple de Jeanne-Mance au Temple de la Renommée. J'aimerais remercier toutes les personnes dont la contribution a fait connaître et reconnaître l'œuvre exceptionnelle de Jeanne-Mance. Je pense aux différents paliers du gouvernement, aux biographes, aux historiens, aux cinéastes, à l'Association Jeanne-Mance des infirmiers et infirmières de l'Hôtel-Dieu, aux responsables du Centre Jeanne-Mance, du Musée des hospitalières de l'Hôtel-Dieu, de l'Association Jeanne-Mance Langres-Montréal en France. Je pense à toutes les personnes qui organisent des événements, écrivent des articles dans les médias et qui collaborent souvent dans l'ombre à garder vivante la mémoire de la fondatrice de l'Hôtel Dieu et de la Ville de Montréal. Sans oublier tous ceux et celles qui prient Jeanne-Mance et lui font confiance. Merci. Thank you very much.